On est des sœurs qui sont très unies, on est des sœurs qui sont très très fortes. Tout le temps, on se conseille. Ça ne nous dérange pas du tout, mais nous-mêmes, on ne s'est pas nommés comme les sœurs Kardashian du Mali ou comme les Kim Kardashian du Mali. C'est les gens qui ont vu notre rythme de vie. Donc, ils ont comparé ça aux sœurs Kardashian aux États-Unis. Donc, bon, ce n'est pas aussi des références pour nous. Nous, on vit de notre méthode. Ça peut être que c'est similaire, mais ce n'est pas la même chose. Fue un canal de televisión de Costa de Marfil quien les puso el apodo de las hermanas Kardashian de Mali en referencia a la familia del multimillonario estadounidense de origen armenio que está constantemente en las portadas de revistas del corazón. En las redes sociales, son las hermanas más famosas de África Occidental, influencers a todos los efectos. Au programme des selfies, du shopping, des voitures de luxe et bien sûr les vacances. Ya conocidas en Mali por su estilo de vida, las hermanas Sora ganaron protagonismo en todo África Occidental tras la publicación hace 3 años de un video en Facebook en el que se grabaron en el coche mientras cantaban una canción y gesticulaban. Ese video, que cuenta con más de 3 millones de visualizaciones, fue el trampolín de este llamativo trío. Bueno, a la época, c'était en 2014-2015. Y voilà, on était un peu connus sur Facebook. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient de nous. Et un jour, comme ça, on a fait une vidéo, juste pour s'amuser. En fait, on pensait même pas que ça allait être autant de succès. À l'époque, le musicien n'était pas très connu. Bon, à l'époque, les gens croyaient que c'était nous-mêmes qui étaient les artistes. Bon, c'est la vidéo qui a franchi vraiment les frontières jusqu'au Mali, enfin, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et voilà, c'est la vidéo qui nous a permis d'être connus là-bas. En las principales redes sociales, Diaba de 35 años, Mosu de 33 y Koudedia de 23 cuentan con más de 700.000 seguidores juntas. Desde hace más de 10 años, Diaba y Mosu son las reinas de la alta sociedad de Bamako. En 2008, cuando volvieron a su país tras vivir en los Estados Unidos, donde estudiaron marketing y comunicación, abrieron una agencia de modelos. En un Mali, a menudo demasiado tradicionalista, el proyecto fracasó al poco tiempo. Ouais, c'est pas très facile. C'est pas facile par rapport des idées du Mali ici, ils sont un peu en retard. Les hommes pensent que les femmes doivent, ici, surtout en Afrique, que les femmes doivent rester à la maison, rester calmes, s'occuper de la foyer. Ben, notre idée, c'est que les femmes doivent être indépendantes. Siempre están viajando por todo el mundo, haciendo compras y participando en miles de fiestas nocturnas. Dubái, París y Nueva York se encuentran entre sus destinos favoritos. Adineradas desde la cuna, las tres chicas se casaron con hombres de negocios importantes, pero las hermanas Kardashian de Mali no se conforman, tienen un hambre ilimitada de popularidad y dinero. Esta es una noche especial para Koudedia, la más pequeña del grupo. Ella también está lista para entrar en el mundo de los negocios con una línea muy personal de ropa para mujeres llamada Koudedia Sora. Pour ma marque, j'ai cherché des designers sur internet. Donc j'ai travaillé avec un designer. Il a dessiné pour moi, on a travaillé ensemble et on a fait ma collection. Bon, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage. Oui, et ça demande de la détermination pour quelque chose que tu aimes vraiment à faire. C'était mes idoles en quelque sorte. Elles étaient mes idoles. Je me suis inspirée à partir d'elles aussi pour continuer et tout, à vivre. Les gens m'arrêtent dans les rues. Ça fait du plaisir de prendre les selfies avec eux et tout. Oui. Dans les réseaux sociaux, quand même, je sais quand même que ça allait être très difficile. On allait être connu seulement à Bamako. Grâce à nous, grâce aux sœurs Sora, il y a beaucoup de gens qui ont connu le Mali. Notre image, pas par rapport ici seulement en Afrique, on aimerait que notre marque et nos noms soient connus à travers du monde, bon, à travers partout. C'est souvent si on parle de l'Afrique, les gens pensent que la misère, la famine et tout, ils pensent même pas qu'on vit ici bien. Donc on essaie de montrer une autre image de l'Afrique, tu vois, une autre image positive. Nous on vit, on a un esprit très très libre. Vous voyez, on ne s'occupe pas de ce que les gens disent ou ce que les gens racontent. Donc on vise notre objectif.
We'll be right back.